Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Tezo The Elder Scrolls Online. Donc comme vous pouvez le voir, on a changé d'endroit par rapport à la fin du dernier épisode, nous étions en haut là-haut. Maintenant nous sommes un peu plus bas. Comme ça me titillait de pas avoir fait comme il fallait la quête, enfin dans un ordre qui me semblait un peu plus logique. Tiens, le feu n'est pas apparu là-bas, vous voyez. J'ai décidé de reprendre un petit peu en me déplaçant. Hop, et lui, il ne me trouvera jamais. Et oui. Et du coup, tu es complètement buggé parce que ton pathfinding ne te permet pas de me rejoindre. Ça vaudrait presque le coup de voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre à porter. Hop. Tu pourrais éviter de faire du bruit comme ça, par contre, ça serait cool. Salut l'ami, la recrue Cécile. Vous êtes arrivé à point nommé. Vous êtes blessé? Pas trop mal. Par chance, vous êtes arrivé ici avant leur tortionnaire. Tant mieux. Merci de m'avoir libéré. Il faut chercher les autres maintenant. J'ai déjà trouvé les autres, ils devraient être rentrés au camp. Tant mieux pour toi. D'accord, on va rejoindre le camp là-bas. Je vais quand même aller visiter leur petit campement là. Des fois qu'il y ait... Il n'est pas tout seul. Hop. Parfait. Hop. Le bâton, je suis obligé de le laisser malheureusement, chers amis. Comme vous le savez, je n'ai pas de place sur moi depuis quelques épisodes déjà. Tout ça pour rien du tout, presque. Ici, nous avons... What? Et bouffe! Ah, c'est con! C'est con, c'est con. Bon, tant pis. Bon, on va faire ça comme ça. Hop, les stapondra à vouloir me le faire à l'envers. Bouffe. Aussi, bouffe. Parfait. Alors moi je suis là juste pour voir s'il n'y a pas des bouquins ou des trucs dans le genre, chers amis. Ni plus, ni moins. Hop. Ah, je peux même pas prendre les bras artisanales. Bon, c'est pas grave, quoi qu'il en soit. Oh. Non. J'ai eu un doute, excusez-moi. Hop. Excuse-moi, je récupère ta vie si tu permets. Hop. Le bouclier qui se met en marche. Est-ce que je peux lui tirer dessus s'il vous plaît? Hop. Parfait. Le pauvre, il a rien vu venir. C'est vraiment pas mal l'arc, le gameplay à l'arc, je trouve. Un peu bizarre à jouer, mais c'est pas mal. C'est pas mal. On range l'arc. Juste pour voir, est-ce que l'arc apparaît dans mon dos? Oh. Alors ici nous avons donc le capitaine. Ici nous avons la recrue Cécile à laquelle on va parler tout de suite. Ravi de vous revoir. Je refuse d'imaginer la suite des événements sans votre intervention. Fais comme tu le sens. Je vois que vous êtes tous sains et saufs. Ou presque. Tout à fait. Grâce à vous. Maintenant que nous sommes à nouveau réunis, nous avons une meilleure chance de mettre fin à cette incursion du domaine. Et encore une fois, c'est un objet de quête, une récompense de quête d'armure lourde. Ce qui me fait royalement chier. Ce qui me fait royalement chier. Chier, 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 chier. Hors d'œuvre au melon, bah tiens, on va prendre ça. Ravi de vous revoir. Oui, je sais, je sais, je sais. Merci, merci à toi, c'est très sympathique de ta part. Le capitaine, peut-être que je fasse un autre trou, j'imagine. On va virer le billefeuille.
pense pas qu'on en ait trop besoin. Capitaine Guillaume. Vous avez fait du beau travail en éteignant les panneaux d'alarme. Vous êtes clairement arrivé à temps. Il n'y a aucun signe d'attaque imminente de la part du domaine. Alors on a repoussé cette attaque ? Nous n'avons pas stoppé cette attaque. C'était grâce à vous. Elle est sympa. Vous nous avez donné un temps crucial pour faire venir des renforts. Nous pouvons maintenant repousser cette invasion. T'es quelqu'un de bien. Franchement, t'es vraiment quelqu'un de bien. Je m'attendais pas à ce que tu sois aussi sympathique. Bon, on a fait les quêtes de cette zone. Simplement, chers amis, on va prendre K comme compétence. Et quand on a l'arc, on va y mettre quelques compétences. Hein. Flèche dispersée, tir de précision, longue portée, précision, rôdeur. D'accord, avec un arc avant les dégâts, nanana. D'accord. Voler, nanana, nanana. Classe, au niveau de la classe, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais esquiver pendant 20 secondes, embuscade. Donc ça, c'est pas au niveau de l'assassinat que ça va être bon. Siphon, captation de vie, par contre je peux le mettre. Couronne maléfique aussi, parce que ça va bloquer l'ennemi à distance, en cas de besoin. Escroquerie, non. Piège d'âme. Ça pourrait être intéressant. Guilde des guerriers, non. Guilde des mages, non plus. Rayonnement, c'est quoi? Non. Bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça de prix, chers amis. Alors, il y a des gens qui se font un petit RP sympathique dans le chat, c'est marrant. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu en tout cas. Tiens. Bouffe celle-là. Oh, t'es sérieux, je suis pas hors de portée normalement. Ça y est. Bon. Nous sommes les Legolas, mis à part ça, ça va. Il y en a qui se bat. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est très exactement? Je dois me rendre ici. Ou ici. Ou ici. Ou ici. Ou ici. Ou ici. D'accord. Crocodile à bas prix, c'est là. Parmi les indomptables, c'est là. Donc je pense que je vais faire le choix de rentrer à la ville à pied. Le plus rapidement possible à pied en tout cas. Et pour le reste, nous allons nous téléporter si nous en avons le temps dans cet épisode. Hop, ça fait du bien de reprendre un petit peu canasson. Le pauvre, il était pas très utile pendant quelques temps. C'est pas canasson. Et saute. Saute canasson, saute. Heureux, hein? Ah, t'es heureux de sauter comme ça. Oh oui! Oh oui, c'est un bon connexion. Bon. Donc, on a enfin l'arc, chers amis. On est enfin niveau 15 au bout d'une soixantaine d'épisodes. Si ce n'est plus. On est enfin niveau 15. C'est la garde du lion. Ici, il n'y a pas de règle. Mais je vous préviendrai si vous en enfreignez une. On va s'arrêter au campement, chers amis. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont peut-être un bouquin. Toi, merci. C'était dur. Apparemment, ils ont rien. Et donc, pour info, nous sommes ici, d'accord. Canasson. Il est si loin, on a l'impression. Il pourrait presque donner une quête, mais. Eh bien, la garde du lion m'a promis de me laisser continuer mes recherches à la tour. Mais je vais devoir patienter pendant je ne sais combien de temps. En attendant que Longue Veille soit sécurisée. Quelle poisse. Quel est le problème? Je suis en chemin pour la tour de Longue Veille afin d'enquêter sur les flux d'énergie magique dans les sites abandonnés. Et voilà. Oui, des armées. D'accord, oui, d'accord. C'est celui qui te prévient en fait de vers quoi tu vas. En fait, tu vas vers du MCL, du. Ouais, j'ai envie de dire du coup, une espèce de PVP quoi. C'est du PVP-RP quoi. Si je puis me permettre de parler ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, on se dirige vers ce qui était l'ancien PVP du style.
Domaine Almeri versus etc. quoi. Épée longue, mais il y a vraiment que ça. Hein. Pour peu que t'aies envie de battre avec l'ambidextrie, t'es baisé. C'est clair que depuis combien de fois j'ai pu dire dans le jeu, chers amis, que pour peu qu'on veuille faire un mec blindé avec des grosses épées, ce serait limite facile. Le jeu nous propose beaucoup d'armes comme ça à choper partout. Bon, pas forcément d'excellente qualité, mais au moins disponible quoi. C'est quoi cette maison? Bon, j'y suis déjà allé. Ah oui, c'est là que j'avais. Il y avait un mec qui emprisonnait des harpies, si je me trompe pas. Voilà. Si je ne m'abuse. Et là, on arrive sur le terrain des harpies. Voilà, c'est ça. Ok, parfait. Bah non, fallait pas descendre. Banane. C'est cool, ça fait un petit remind de ce qu'on a fait depuis le début de l'aventure. Pas complet, mais au moins en partie. Un piège. Une harpie. Le campement du mec était un gros connard en fait. Hop. Ok, on approche. À droite, puis la première à gauche. Oui, c'est bon, je vois où est-ce qu'on est. Je vois où est-ce qu'on est, chers amis. C'est parfait. Alors moi, ça fait très longtemps que je suis pas revenu en ville, quand même. Hein. Enfin, j'ai l'impression. Je suis sûrement TP, mais revenir en ville comme ça, ça fait extrêmement longtemps. Ah, on va y voir tous les diablotins ici. Ouh, il y en a un qui s'éclate avec ses sorts. C'est l'empereur quoi le machin. Enfin l'empereur oui pas version Tamriel mais version Star Wars. Hop. Je précise chers amis aussi mais je ferai une vidéo particulière dessus, ce sera mieux. Ce sera mieux comme ça. Il vaut mieux. J'ai failli me lancer dans un truc stupide. Je ferai une vidéo particulière je pense dans l'après-midi. Ce sera pas très long à monter de toute façon. Yel sème la pagaille auprès des harpies. Hop pour faire du profit. Et on retrouve encore. Alors. On va commencer par les vendre 2-3 choses et réparer notre équipement. Racheter, réparer. Voilà, j'ai pas vu donc c'était en bas. Ok, pourquoi pas vendre. Voilà, déjà ça. Une fois qu'on a vendu ça, on vend le blé, on vend les betteraves. Une fois qu'on a 4 places, on va aller voir si on peut donc faire des recherches ou déconstruire des choses. Normalement, oui. Hop. Alors, dans le cuir, qu'est-ce qu'on a à rechercher? Des bottes renforcées. Augmente la valeur d'armure de cet objet. Bon bah pourquoi pas. Sinon j'ai des épaulettes en tissu. Et des bottes en tissu, d'accord. Donc c'est les deux choses qui me restent, c'est parfait. Démontage. Un petit peu de jute. Et on voit. Hop les. Alors nous sommes niveau 15, chers amis. Peut-être que nous allons pouvoir faire quelque chose d'un peu plus performant pour ce qui est de nos différentes pièces d'équipement. Ah, forcément, ce sera niveau 16. Bon, c'est pas grave. Juste pour voir au niveau de la gueule qu'on pourra avoir. Bosmer, c'était sympa. Et au niveau des épaulettes, enfin de notre gilet, tiens, on va aller voir déjà ça.
impérial. Ah oui, le gilet Bosmer pourrait vraiment être sympa. Ah oui, mais le gilet Dunmer aussi. Alors, je pense qu'on partira sur du gilet Dunmer. Au niveau des épaulettes rouge garde, des épaulettes Dunmer, des épaulettes Bosmer. Je pense qu'on partira sur des épaulettes rouge garde. Ah, attendez. C'est quoi ça? Ouais, non. On partira toujours sur les épaulettes rouge garde. Alors ici, nous avons rouge garde. Ouais. On partira sûrement sur du, comment, du Bosmer aussi, du Dunmer aussi. Hop. Au niveau des brassards. Pas ça. Peut-être plus ça. Voire peut-être du Bosmer aussi. La ceinture, oui, pourquoi pas. Du rouge garde aussi. Et au niveau des bobottes, nous allons prendre peut-être de l'impérial. On verra bien. Bon bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Hop les petites visions comme ça du personnage. On peut zoomer dessus? Non, dommage.